الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم أما بعد Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde cette opportunité de ces quelques paroles avant la khutbah de Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la surah Al-Mulk, dans la surah Tabarak al-Ladhi, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui a créé la mort et la vie, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin d'éprouver, de voir d'entre vous qui est le meilleur en bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve. La vie est une épreuve et les actions que nous accomplissons, Allah subhanahu wa ta'ala, il les regarde. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde plus précisément? Ahsanu amala. Il regarde quelles sont les actions qui sont les meilleurs, c'est-à-dire quelles sont les actions dans lesquelles il y a le husn, il y a la beauté. Quelles sont les actions qui sont accomplies correctement. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ahsanu amala, il n'a pas dit aktharu amala. Allah, il a dit que je vous éprouve pour voir qui d'entre vous accomplit le mieux ses actions. Allah n'a pas dit qui est celui qui accomplit le plus de bonnes actions. Le terme c'est ahsan, c'est pas akthar. Ahsan c'est meilleur, c'est-à-dire la qualité. Et akthar c'est plus, c'est-à-dire la quantité. Et en réalité, avant la quantité, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde la qualité des actions. Et pourquoi ce rappel ici aujourd'hui? Nous sommes dans le mois de Ramadan. Chacun de nous, mashallah, nous sommes dans un élan de ferveur. Il y a, mashallah, une ambiance tout autour de nous plus propice à l'accomplissement des bonnes actions et à l'augmentation des bonnes actions. On fait encore plus de bonnes actions. Mais ne pas oublier qu'il n'y a pas que la quantité qui compte et que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la qualité qui compte. Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, il a dit « Ahsanu ay akhlasu wa aswabu ». Il faut définir qu'est-ce que ça veut dire une action qui est bien faite. Alors, il a dit que c'est « akhlasu wa aswabu », que la bonne action, la meilleure action, est celle dans laquelle il y a le plus de sincérité et celle qui est accomplie conformément aux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'une action soit acceptée auprès d'Allah, il y a ces deux conditions. La condition de base, on ne va pas détailler, chacun sait que la condition de base pour toute action pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah, c'est qu'elle soit sincère. Sinon, tu peux faire ce que tu veux, mais si elle n'est pas faite uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette action ne représente rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut que l'action, elle soit sincère. Une parole de
Malik ibn Dinar, rahimahullah, qui vient à l'esprit, il dit, dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se fatiguer. C'est une phrase simple, mais mashallah, elle veut dire beaucoup de choses. Malik ibn Dinar, rahimahullah, il dit, dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se fatiguer. Ça veut dire que lorsque tu agis, si tu n'es pas sincère et que tu n'es pas en train de faire ça pour Allah, alors arrête de te fatiguer parce que tu travailles pour rien du tout. C'est simple, mais c'est profond. À nous de méditer. Donc, premièrement, il faut que l'action, elle soit sincère. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit aswab. Il faut qu'elle soit la plus correcte des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est lui qui est venu nous montrer la pratique de notre dîn. Et il disait, Fudhayl ibn Ayyad rahimahullah, Al-amal idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Que l'action, si elle est sincère et elle n'est pas faite correctement, elle n'est pas acceptée. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Et si elle est faite correctement mais elle n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée non plus. Hatta yakuna khalisan sawaba. Jusqu'à ce que l'action, elle devienne et sincère et correctement accomplie. À ce moment-là, cette action, elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna la nudwi'u ajra man ahsana amala. Allah, il dit, celui qui a bien fait une action, celui qui a fait correctement son action, eh bien, nous ne sommes pas injustes. Nous ne lui ferons pas perdre la récompense de sa bonne action. Parce que l'action avait les conditions requises. On a déjà fait ce rappel ici, mais il est important, ce rappel, de bien agir. Quand vous allez dans une entreprise, il y a une unité qui travaille uniquement sur quoi? Sur la qualité. Ça, c'est l'équipe qualité de notre entreprise. Parce que si la qualité, eh bien, elle n'est pas bonne, eh bien, ça va entacher la réputation de l'entreprise. Il y a des groupes qui travaillent uniquement sur la qualité. Et chacun de nous, on veut la qualité, n'est-ce pas? On veut, quand on va acheter, on dit, moi je veux la qualité. Eh bien, Allah Ta'ala aussi, il veut la qualité, mon frère et ma sœur. Allah, il veut aussi la qualité. Que si ce n'est pas de bonne qualité, si c'est du fake, si c'est de la contrefaçon, si en apparence c'est beau, mais dedans c'est pas bon, Allah Ta'ala, il n'en veut pas. Si tout le monde veut ce qui est bon, Allah n'est-il pas celui qui mérite qu'on lui offre ce qu'il y a de plus beau et de plus bon? Donc c'est important en ce mois de Ramadan de se rappeler que ce que je fais, j'essaye de le faire bien. J'essaye de le faire bien. Mieux vaut peu, mais je le fais bien. Tout le monde lit le Coran, n'est-ce pas, dans le mois de Ramadan? Eh bien, mashallah, si on s'est fixé l'objectif de faire un khatmul Qur'an, quoi de plus légitime? C'est très noble comme intention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sa révision du Qur'an durant le mois de Ramadan. Et tout le monde doit le faire parce que c'est le mois du Qur'an. Mais on le fait bien. Parce que si tu veux faire beaucoup et c'est mal fait, alors non, tu t'arrêtes. Pose-toi la bonne question. Dis-toi, si je lis, je sais pas, 2-6 paras de la journée, si j'ai lu correctement, c'est très bien. Ça se dit, nourun ala nour, il y a la quantité et la qualité, lumière sur lumière, très bien. Mais si je vois que je lis vite et je bâcle ma lecture, eh bien, non. Je mets pause et je mets ralenti. Je lis moins, mais mieux. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit, l'an aqra'a suratan ahabbu ilayya min aqra'a al-Qur'ana kulla. Il dit, que je lise une surah, mais tartilan, bien comme il faut, bien prononcer les lettres, les makharij, les mots. Il dit, une surah bien lue, je préfère ça que de lire le Qur'an entier. Alors attention, ce n'est pas une invitation à faire moins. Gardez, mashallah, les bonnes vitesses. Mais vérifiez que la quantité y est.
Et si vous savez de votre lecture que ma vitesse est en train de porter préjudice à la qualité, eh bien, levez le pied un petit peu. Roulez au pas. Soyez sûr que je suis en train de bien lire. Parce que je suis en train de le faire pour Allah. C'est Allah qui écoute mon Coran. Et c'est pour espérer les récompenses d'Allah pour chaque lettre 10 récompenses que je suis en train de lire. Eh bien, il ne faut pas que je lise n'importe comment et que je ne reçois rien du tout de ce que je suis en train de lire. Donc, la lecture du Coran, c'est important. Nous avons tout simplement dans chaque chose cette invitation à ne pas être pressé. Vous savez, l'être humain, dans sa nature, il est comme ça. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'être humain, il aime faire vite. Il veut tout, vite, tout de suite. Tout, tout de suite. En plus, avec aujourd'hui, Internet, la technologie, comme tout marche avec un clic, eh bien, il croit que tout marche avec un clic. Eh bien, non, dans le dîn, tout ne marche pas avec un clic. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple à propos des du'as que l'on demande, yustajabu ahadikum ma lam yu'ajjil. Il dit, le du'a de l'un de vous est accepté tant qu'il ne s'empresse pas. Et qu'il ne dise pas, mais j'ai demandé, mais ça n'a pas été accepté. Eh bien, attends. Pourquoi tu crois que là aussi c'est clic et ça télécharge direct, ça arrive? Non. C'est pas un message, c'est pas un texto. C'est pas un WhatsApp, c'est pas un mail. Tu envoies et la réponse, elle arrivera quand Allah le voudra et quand lui, il sait que c'est mieux pour toi que la réponse arrive. Toi, en attendant, continue à faire du'a encore. Et ne t'empresse pas. C'est ton empressement qui va empêcher l'arrivée de la réponse. Eh oui, c'est pas moi qui le dis. Il dit, c'est accepté tant que tu ne t'empresses pas. Si tu demandes trop vite, eh bien, si tu t'impatientes, si tu dis, je demande, je vois rien, ben, tu verras rien du tout. Si tu veux voir, calme-toi. Ne t'agite pas. C'est important. Dans notre lecture de Coran, dans nos du'as, dans notre salat que l'on accomplit, tout le monde accomplit des salats. Pareil, technologie, les voitures de plus en plus rapides, chaque chose de plus en plus rapide. Alors, on croit que dans la salat aussi, il faut appuyer sur le champignon. Eh bien, non. Non, non, non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre la salat qui est faite trop rapidement, trop vite. Tu fais vite pourquoi? Tu veux aller où? Tu veux que ta salat, elle monte jusqu'en haut? Eh bien, il faut qu'elle soit bien faite. Il suffit pas juste de dire j'ai fait. J'ai fait, non. Il y a des gens, mashallah, qui font même tahajjud. Il dit, j'ai fait 10 rakats tahajjud, mais en 5 minutes. Je dis, ben en 5 minutes, fais 4 alors, ce sera mieux pour toi, Inch'Allah. C'est vrai. Lève le pied, mets un peu de cœur dans ce que tu fais. Pose. Pourquoi tu veux faire beaucoup et mal faire? Si tu veux faire 10, Mashallah, dans ce cas, tu veux absolument faire 10, eh bien, prévois le temps qu'il faut pour 10. Et ça se fait pas en 5 minutes. Ah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la salat de tahajjud. Une fois, dans une seule rakat, il a lu surat al-Baqara, surat Ali Imran, surat An-Nisa, plus de 5-6 paras. Pas dans une seule salat, dans une seule rakat. Et une nuit, il a lu Baqara, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf et At-Tawbah, en sautant à l'Anfal. 7 grandes sourates. Il a lu tout ça, mais il a donné le temps qu'il fallait pour ça. Parfois, il a lu moins aussi. Eh bien, on regarde combien on veut faire et on prévoit le temps pour ce que l'on veut faire. Il faut arrêter de chercher dans le dîn la précipitation. Et il faut arrêter de croire que la pratique du dîn, c'est une affaire de chrono. Les yeux pointés sur la montre et le réveil. Qui est plus rapide? Combien de temps ça fait? Où est-ce que ça se termine plus vite? Il y a un élève qui m'a dit, Molissab, pourquoi les tarawis, on ne ferait pas les 20 rakats d'un coup? Après, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Un autre a dit, au moins 4 par 4. Après, je lui ai dit, mais c'est quoi que vous voulez, en fait? Il dit, comme ça, ça fait plus vite. Ah, vous voyez, même nos enfants, ils ont le réflexe maintenant.
Parce qu'on a tendance à développer justement ce mauvais réflexe que tout est une question de temps. On a toujours envie que tout se fasse vite. De 20 rak'at, Tarawih, c'est 20 rak'at. Il y a 20 fois, on lit Alhamdou. En 20 rak'at, on va lire au moins un sipara. Dans 20 rak'at, on va faire 20 rukous. On va faire 40 sajda. On va faire 20 qawma, 20 jalsa. On va lire 60 fois, si on lit que 3 fois, 60 fois, Subhana Rabbi al-Azim. Si on lit que 3 fois, dans sajda, on va lire 120 fois, Subhana Rabbi al-A'la. Et 20 rakat, c'est 10 fois, Tashahud al-Tahiyyatu, 10 fois, Durud Ibrahim, 10 fois le doua qui est après. Et tu veux que tout ça, plus, attends, pour le package complet, Salat, Isha, 2 sunnat, 20 huitards, plus 3 huitards, celui qui me donne en 40 minutes, mashallah. Et là, on dit, ah, à nous, plus rapide. Mais ça existe dans le monde entier, ne vous inquiétez pas, on ne parle pour personne. Hein. On parle pour chacun de nous. Que lorsqu'on n'a pas compris, en plus, ici, chez nous, est-ce qu'on a le droit de se permettre de ça? Je disais, on rappelle au premier Tarawih ici, au moment où la salat de Tarawih se termine dans les mosquées de La Réunion, en France, ils n'ont pas encore rompu le jeûne. Et toi, tu es pressé? La nuit, elle est longue comme ça. À 21h, quand la salat de Tarawih est terminée, ton iftar, tu peux le faire jusqu'à 5h20. C'est-à-dire dans 8h, temps et 20 minutes. Tu es pressé pour aller où? Tu es pressé pour quoi? Eh bien, ahsanu amala. Allah, il regarde l'action qui est bien faite. On prend le temps de bien faire chacune de nos actions. C'est ainsi qu'Allah, il acceptera nos ibadat. Dans nos salats, c'est pareil. Même les salats faraz. Nous, vous savez, les imams et tout ça, on lit beaucoup moins que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lisait. Ce que les khulafa et rachidin lisaient. On devrait lire beaucoup plus ça, mais l'époque a changé. Les corps se sont affaiblis. La résistance a diminué. Alors on lit plus court. Mais après, si on fait plus court et qu'on veut plus court que le plus court, il ne restera plus rien. Le compagnon, il dit que j'ai fait la salat avec Abu Bakr radiallahu anhu, faqara bi surati al-Baqara fi rak'atayn jami'an. En 2 rak'at, il a lu la sourate Baqara. Si nous, on est là, on dit, mais ça ibadat kan, hein? Je vais faire ailleurs. Oui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lisait dans une seule rak'at la sourate Qaf. Parfois, waqi'an dans 2 rak'at. Parfois, la salat Fajr, la sourate Yassin en entier. La salat de Jumu'ah. Fajr, c'est 2 surahs, Alif Lam Mim Sajda et la surah Ad-Dahr. Dans nos mosquées, quand on fait, il faut faire un lan. Il faut annoncer aux gens, aujourd'hui, on va lire 2 surahs un peu plus longues pour que les gens aient le temps de se préparer psychologiquement parce que, oh là là, aujourd'hui, ça va être plus long. De combien? De 5 minutes. Attention. Alors, il faut se poser, mes frères, la bonne question durant et le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour cela. Que, Inch'Allah, chacun de nous, eh bien, on avance vers Allah subhanahu wa ta'ala et on avance de la meilleure des façons. On rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que le point essentiel, c'est de faire chaque action correctement. Allah a dit, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah, il éprouve pour savoir celui d'entre vous qui fait le mieux ses bonnes actions et pas pour savoir celui qui fait le plus. La quantité, après, c'est une option, mashallah. Mais il faut qu'il y ait d'abord, avant cela, dans toutes nos ibadats, un peu de qualité. Et ça, c'est important. Que nous, on apprenne à faire comme ça. À nos mères et sœurs également dans les maisons. Fais bien, fais correctement. Nos ibadats, mes frères, elles ont une force. Elles ont une force. Il y a un résultat de ces salats. Avec cette salat, on puise du trésor d'Allah. Notre lecture du Coran a une force. Nos douas ont une force. Mais la force, elle sera là lorsque l'action, elle sera bien accomplie. Une action mal accomplie, on n'obtiendra rien de cela. On pourra continuer à faire, continuer à faire. Hudhayfa radiallahu anhu, il regarde une personne et il lui dit, la personne venait de faire la salah. Il l'appelle et il dit, toi, tu n'as pas fait la salah. Ma sallaita. C'est-à-dire, ce que tu viens de faire, tu crois que c'est une salah. Ce n'est pas une salah. Yanquru naqla al-ghurab. Ça, c'est des... On est en train de donner des coups de bec sur le sol comme ça. Ça, ce n'est pas une salah. Tu es en train de jouer avec Allah. Tu es en train de jouer avec Allah. Tu es en train de jouer avec les ibadats d'Allah. Allah, il ne te regarde pas d'un regard de miséricorde. Allah, il est en colère.
parce que tu veux lui offrir quelque chose, mais c'est très désagréable ce que tu veux lui offrir. Alors il faut qu'on sorte un peu de notre médiocrité. Quitter un peu notre médiocrité pour avancer un peu vers l'excellence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avancer vers cette excellence. Ce mois de Ramadan, c'est l'occasion, si on fait ce genre de rappel, c'est que ce mois-là, il est aussi là pour nous faire poser les bonnes questions. Pour ce mois-ci et pour ce qui va arriver après ce mois, pour le reste de notre année et pour le reste de notre vie également, que chacun de nous se pose donc ces bonnes questions. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.